Près de jouets magnifiques, de chevaux mécaniques, dans un magasin près de l'opéra. Parmi de belles poupées, très joliment groupées, il y avait un gentil petit soldat. À l'étalage pourtant, on le voyait depuis longtemps. Le petit militaire n'arrivait pas à plaire. On le regardait mais on n'en voulait pas. Aux garçons, aux fillettes, il faisait la risette. Jamais on achetait le petit soldat. Tandis que les poupées, en robe de satin, étaient vite enveloppées, lui restait au magasin. Malgré sa bonne figure, malgré sa bonne allure, on n'achetait pas le petit fantassin. On baissa le prix de vente jusqu'à 12,50 francs, afin de solder le petit soldat. Pendant la crue de la Seine, les vents de Skellopen disaient que c'était le zouave du pont de l'Allemagne. Malgré ce titre flatteur, il n'y eut pas d'amateur. Le petit militaire n'arrivait pas à plaire. On le regardait mais on n'en voulait pas. Aux garçons, aux fillettes, il faisait la risette. Jamais on achetait le petit soldat. On dit que les poupées en robe de satin étaient vite enveloppées, lui restait au magasin. Malgré sa bonne figure, malgré sa fière allure, on n'achetait pas le petit fantassin. Comme on ne pouvait pas le vendre, l'usine dut le reprendre avec un ami du magasin. Disant qu'on le transforme, ôtez son uniforme, faites-en donc un gangster américain. Demain matin, au gangster il revint. Ça se fut une affaire, les gens se précipitèrent. On voulait l'acheter n'importe quel prix. C'est pas un mystère, on sait que les gangsters sont vraiment partout à la mode aujourd'hui. Dans cette folie soudaine, on en fit comme lui. Des douzaines, des centaines, dont le succès fut inouï. Ça prouve puisqu'on préfère aux soldats les gangsters. On avait des affaires qu'avec des bandits. Ça prouve puisqu'on préfère aux soldats les gangsters. On avait des affaires qu'avec des bandits.